Yo les postos, c'est Sacha. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où c'est un jour de deuil pour tous les footix et supporters barcelonais. Hein. Voilà, Neymar a mis un terme à leur espoir de revoir Neymar dans la Catalogne. Même s'ils vont nous dire, gardez-le, votre Neymar, il est toujours blessé, vous gagnerez jamais la Ligue des Champions. Voilà, ça c'est les footix hein, qui nous donnent en commentaire des commentaires très pertinents, avec beaucoup d'analyse. Voilà. Bon bref, hein, comme on vous l'a dit tout l'été, ou comme je vous l'ai dit tout l'été, hein, qui partira pas, qui ne partira jamais. Avec tous les arguments possibles et imaginables. Donc voilà, hein, Monsieur Neymar a donné une longue interview à France Football ce mardi. Voilà, donc on va vous la lire hein, en intégralité avec les questions des journalistes et les réponses de Neymar, bien sûr. Voilà où il met un terme. Hein. Donc voilà, hein, Messi qui veut pas partir, sa relation avec Kylian Mbappé, les objectifs avec le Paris Saint-Germain, pourquoi il voulait partir cet été. Donc tous ces sujets-là, voilà, donc ça va mettre un terme à tous les espoirs de tous ceux qui voulaient qu'il parte du Paris Saint-Germain. Donc voilà. Après je les connais, les gens, ils vont dire ça veut rien dire cette interview, il peut pas dire le contraire, tout ça et tout. Bon bah continuez à penser ce que vous voulez, hein. Les gens frustrés, on peut pas faire grand-chose pour eux malheureusement. Par contre les gens intelligents, hein, vous pouvez mettre des commentaires bien sûr très pertinents, très constructifs. On fera un plaisir de lire tout ça. Donc on va commencer, hein. Donc Neymar, je ne joue jamais pour être le numéro 1. Commence mal. Donc, l'attaquant brésilien du Paris Saint-Germain hein, s'est confié à France Football dans un entretien où il ne se cache de rien, sa personnalité, ses objectifs et surtout son amour pour le jeu. Donc, on continue. Hein. Cette interview a été faite par Antoine Bourrion, Thierry Marchand, voilà, journaliste de France Football. Donc, c'est parti, les postos. Hein, vous connaissez la routine et le bail, les questions des journalistes, réponses de Neymar. Donc, première question, avez-vous regardé la dernière cérémonie du Ballon d'Or? Neymar répond. Oui, je l'ai regardé à la maison. Tout joueur aime participer à une soirée comme celle-là, être avec les meilleurs. Le problème, c'est que j'ai été victime de plusieurs blessures et c'est la raison pour laquelle je n'ai pas pu y participer cette année. Ça vous a fait quoi de voir Lionel Messi remporter un sixième ballon d'or? Messi est un joueur incroyable. C'est le meilleur que j'ai jamais vu jouer. Qu'il en ait six, ce n'est pas étonnant, car il est toujours au top depuis des années. Il devrait y avoir un ballon d'or rien que pour lui. En quoi est-il différent? À ses qualités propres, il a ajouté le génie, c'est vraiment un régal de le voir jouer. Est-il vrai qu'une des raisons qui vous a fait quitter le FC Barcelone était le Ballon d'Or, qui est forcément plus compliqué à gagner quand on joue avec Messi? Non, je n'ai pas quitté le Barça pour devenir le meilleur joueur du monde, ni pour gagner le Ballon d'Or. Je suis parti parce que je voulais de nouveaux objectifs. Rien à voir avec le fait de vouloir gagner le Ballon d'Or, ou ne pas vouloir être dans le même club que Messi. Ça a été un honneur pour moi de jouer avec lui, c'est mon ami. Et je l'aimerai toujours. On poursuit. Donc, c'est quoi votre définition d'un grand joueur? Un grand joueur, c'est quelqu'un qui a les capacités de faire basculer le destin d'un match, de montrer ses qualités en permanence sur le terrain et de toujours rendre faciles les choses difficiles. C'est ça ma définition d'un grand joueur. Il devrait y avoir un ballon d'or rien que pour Messi. Combien y en a-t-il aujourd'hui dans le monde? Il y en a beaucoup, mais ceux qui ressortent du lot sont assez peu nombreux. Peut-on être reconnu comme un grand joueur sans gagner des grands titres internationaux? Bien sûr, regardez Ronaldo Nazario. Il n'a jamais gagné la Ligue des Champions, mais c'est un immense joueur. Idem pour Zlatan Ibrahimovic, Zico. Lui n'a jamais gagné la Coupe du Monde. Tous ceux-là sont des grands joueurs. Xavi disait que l'important n'est pas la victoire, mais la philosophie du jeu. Mais il y a plusieurs philosophies de jeu. J'ai appris auprès de Xavi et des autres joueurs du Barça que là-bas la philosophie est différente à Barcelone. Tu vis le football plus intensément et plus tu es serein, plus tu peux te rapprocher de cette philosophie. J'ai beaucoup appris à Barcelone et c'est aussi la raison pour laquelle je m'y suis senti si bien. Vous êtes venu chercher quoi à Paris? L'opportunité de montrer que vous étiez le numéro 1? Non, je ne joue jamais pour être le numéro 1. Je joue parce que j'adore le football. Tout simplement. Je me sens simplement heureux quand je joue. Et chaque fois que je suis sur un terrain, je me donne à 100%. Pensez-vous que ce serait si compliqué au Paris Saint-Germain en Ligue des Champions? La Ligue des Champions, c'est toujours difficile. Je suis resté 4 ans à Barcelone et on ne l'a gagnée qu'une seule fois. Ce n'est pas différent ici. Je suis persuadé qu'on peut arriver à la remporter. Ce que j'ai mal vécu, ce sont les blessures dont j'ai souffert et qui m'ont empêché de jouer pendant des mois. Ce dont j'avais le plus besoin dans ces moments-là, c'est d'être au contact du terrain. Ça se joue à quoi une victoire ou une élimination en Ligue des Champions? Moi, je n'ai jamais perdu une finale.
Je ne sais pas quelle sensation ça procure. Je sais juste que d'être éliminé, c'est horrible. La saison dernière, quand on est sorti par Manchester United, ça a été autant plus dur pour moi que je n'étais pas sur le terrain. J'ai souffert autant que si j'y avais été et j'ai été très triste. Je me suis senti mal car on avait une vraie opportunité d'aller en quart de finale et moi de pouvoir jouer. Mais il faut savoir se servir de ce genre d'expérience malheureuse pour apprendre. D'ailleurs, excusez-moi un petit aparté, quand il dit moi je n'ai jamais perdu une finale, t'as quand même perdu la finale de la Coupe de France contre Rennes, hein, il faut pas l'oublier. Mais bon, je pense qu'il parlait que de la Ligue des Champions. Donc on poursuit. Jusqu'à présent, on a vu combien du vrai Neymar? 40%? Ici à Paris? Oui. Mais 100%, voyons. Chaque fois que j'ai joué, j'ai montré mon meilleur football. Regardez mes statistiques au Paris Saint-Germain, elles sont super bonnes. Je donne toujours beaucoup de moi sur le terrain. J'ai connu deux blessures de 3 mois, chacune qui sont très difficiles à vivre. Pour n'importe quel joueur, je ne pouvais rien faire contre ça. Mais chaque fois que j'ai été sur le terrain, j'ai tout donné. Êtes-vous quelqu'un de patient? Ça dépend, il rigole, de la situation notamment. Un grand joueur, c'est quelqu'un qui rend facile les choses difficiles. Si vous pouviez revenir en arrière, vous corrigeriez quoi sur les derniers mois? Ces histoires de blessures, certainement. Ces blessures me tuent. C'est très dur de souffrir de blessures musculaires. Là, je viens de passer par une blessure aux ischio-jambiers qui m'a rendu indisponible 1 mois. Je vis mal le fait d'être blessé. Si je pouvais changer ça. Vous êtes conscient d'avoir froissé pas mal de monde l'été dernier? Ou ici? Oui, le public parisien, par exemple. Tout le monde sait ce qui s'est passé l'été dernier. Tout le monde savait ce que je voulais, ce que voulait le club, ce que voulait tout le monde. J'ai beaucoup parlé l'année dernière. Aujourd'hui, je suis parisien. Je me donne à 100%. Je vais donner toute ma vie sur le terrain pour le Paris Saint-Germain et que pour le Paris Saint-Germain triomphe. Je n'ai jamais voulu blesser personne, mais j'ai toujours su dans ma tête que si vous n'êtes pas heureux quelque part, il faut partir. Il faut toujours chercher un endroit où vous serez mieux. Avez-vous le sentiment que la France vous a compris? Plus ou moins, il soupire. Il est toujours très difficile de comprendre complètement quelqu'un. Moi, je respecte tout et tout le monde. Ici, alors oui, j'ai ma manière de jouer et de vivre, mais toujours en sachant ce que je dois faire en tant que professionnel. Autrement dit, donner 100% sur le terrain. Le PSG vous a compris? J'espère que oui, il rigole. Depuis son départ, qui a pris la place de Dani Alves dans le vestiaire? Dans le genre amuseur, vous voulez dire? Il est difficile de trouver quelqu'un qui lui ressemble. Il vous manque? Oui, il me manque beaucoup, mais il y a des joueurs au club qui rendent le vestiaire aussi agréable. Dani, c'est un peu comme mon grand frère. Il m'a beaucoup aidé quand je suis arrivé au FC Barcelone et pareil ici à Paris. J'ai beaucoup de tendresse pour lui et ce sera pour toute la vie. Un leader doit-il être forcément exemplaire? Mais c'est quoi l'exemplarité? Vous pensez que la perfection existe? Il n'y a que Dieu qui soit parfait. Chacun a ses petits travers. Un leader, c'est quelqu'un qui doit aider l'équipe à gagner, à l'emmener vers la victoire. Ça peut être le capitaine ou celui qui marque les buts. Chacun a sa façon à lui d'être un leader et possède ses propres vertus. Quelle est la différence entre un leader de vestiaire et de terrain? C'est différent. C'est plus sympa d'être leader de vestiaire. Tu parles à tout le monde, tu fais rire les autres. Le capitaine de terrain est celui qui te dirige, qui crie, qui regarde et recadre ses partenaires. Mais ça, ce n'est pas mon profil. Je parle assez peu pendant un match, au contraire de Thiago Silva qui est un monstre sur le terrain, un véritable animal. Lui parle avec tout le monde, il joue bien, c'est un vrai capitaine. Moi, je m'exprime davantage balle au pied. L'été dernier, Kylian Mbappé a fait tout son possible pour vous retenir. Comment définiriez-vous votre relation? Elle est très bonne. On est très amis, on s'entraide toujours sur le terrain pour continuer à gagner et pour toujours marquer des buts. C'est un garçon qui a quelque chose de vraiment spécial. On s'envoie des messages en permanence et il n'y a pas de compétition entre nous. Quand l'un marque, l'autre vient toujours célébrer cette réussite avec lui. Notre relation est faite d'amitié, de camaraderie. S'il n'y a pas que cela dans le foot, et s'il n'y a pas ça dans le football, les choses ne se passent jamais bien. On a une grande complicité sur le terrain, une intimité qui se retrouve dans notre jeu, comme dans la vie. Je crois que c'est bon pour nous de comme ça. Voilà, c'est bon pour nous de comme ça. Ça l'est aussi pour l'équipe. On adore être ensemble, jouer ensemble, et c'est une relation qui, je crois, peut aider le Paris Saint-Germain. Et à l'entraînement, là, c'est différent. Il y a comme un petit jeu entre nous. Mais vous savez, la compétition est bonne également. Elle fait de vous quelqu'un de meilleur et vous pousse à vous améliorer. Vous croyez que cette relation vient de votre état d'esprit? Juste deux gamins qui aiment jouer au ballon? Ils rigolent.
Je crois effectivement que nous sommes deux enfants qui aimons juste bien jouer et profiter du foot. Dribbler, marquer, célébrer et être heureux sur le terrain. C'est notre manière de voir le foot et notre façon de faire les choses pour tout donner et gagner. Au fond, c'est le plus important. Vous avez un autre grand ami dans l'équipe, Marco Verratti. Lui, c'est un phénomène comme personne, autant que comme joueur, il se marre. C'est sûrement l'un des tout meilleurs avec qui j'ai joué. J'adore être sur le terrain avec lui, il a toujours le sourire, il aime la vie, il rigole, il kiffe. Pour tout ça, je l'adore et on s'entend super bien. Les gens parlent de Neymar par-ci, Neymar par-là, mais qui est le vrai Neymar? Le vrai Neymar, peu de gens le connaissent vraiment, mes parents et mes amis seulement. Ce que les gens voient, c'est quelque chose de totalement différent. Et au final, ils en voient peu. Ils en voient peu. Le vrai Neymar, il est très tranquille, très heureux, c'est quelqu'un qui aime beaucoup rester en famille et avec ses amis. J'aime profiter, savourer tous les moments de vie avec tout le monde. C'est très difficile de connaître une personne quand on la voit de l'extérieur, mais bon, tout ça, je le comprends bien. Il y a un vrai contraste entre le joueur de foot et l'homme, non? Le joueur a plus de personnalité, il est très connu. L'homme, lui, est plus tranquille. Vous sentez-vous à l'aise dans le monde du football? Le football en tant que jeu m'enchante toujours, mais il y a autour de lui des choses qui me gênent. Évidemment, le racisme, par exemple, ce qui s'est passé avec Dantinho et Tezon, deux joueurs brésiliens au Shakhtar Donetsk victimes de racisme récemment dans le championnat ukrainien, ou encore Mario Balotelli, je ne peux pas être d'accord avec ces choses-là. Ça me dérange et c'est important de corriger tout cela. Pour tous les gens qui nous supportent, qui vont au stade, ces mentalités doivent évoluer. Tout ça me dérange vraiment. Après, jouer, ça ne me gênera jamais. Le jeu, c'est ma vie, c'est ce que je suis, ça fait partie de mon existence, sur celle de ma famille, de celle de mes amis sur le terrain. C'est là où je peux parler et vraiment m'exprimer. Regardez mes statistiques au Paris Saint-Germain, elles sont super bonnes. Donc on poursuit. Mais il faut être fort sur le plan mental pour y arriver. Je crois que oui, rire. Tu ne peux jamais réussir dans le football sans être fort dans ta tête. Avec toutes ces histoires qui sortent et qui sont des mensonges, toutes ces choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord, oui, il faut être fort mentalement, sinon cela devient très difficile. À 27 ans, vous rêvez encore? Disons que j'ai des objectifs. Les rêves, j'ai laissé ça au seuil de mon enfance. Quand je voulais devenir joueur professionnel, ça, c'est un rêve que j'ai accompli. Mais des objectifs, j'en ai une tonne. La Coupe du Monde, la Ligue des Champions pour le Paris Saint-Germain, les titres nationaux. Ce sont des choses que l'on se fixe chaque année. Et dans la vie, j'ai également des objectifs, mais ça, je le garde pour moi, c'est plus personnel. Qu'est-ce que vous aimeriez vivre absolument avant la fin de votre carrière? Gagner la Coupe du Monde avec le Brésil, c'est l'objectif auquel j'aspire le plus. Et avant de partir d'ici? Pourquoi vouloir partir d'ici? Il se marre. J'ai encore 2 ans et demi de contrat. L'équipe continue de progresser. On doit rester concentré sur cette saison pour faire des choses bien et gagner le plus de titres possible. Cette saison, l'objectif, c'est la Ligue des Champions et ma priorité, c'est le Paris Saint-Germain avec une implication maximale chaque semaine. Le but, c'est de toujours gagner le prochain match. À chaque rencontre, on doit pousser pour le club. C'est comme ça que je le vois. Vous vous verriez capitaine du Paris Saint-Germain un jour? Être capitaine, c'est quelque chose de particulier. Tu peux être un capitaine sans avoir le brassard autour du bras, mais évidemment que ce serait un honneur. Après, je n'y pense pas, je suis capitaine de la Seleção, mais déjà le seul fait de jouer me rend heureux. Ce n'est pas une histoire d'être le capitaine ou pas, ça ne change pas mon jeu. Au Brésil, tu joues pour tout un peuple, et ça procure un petit truc en plus. Ce que je veux avant tout, c'est jouer. Être sur le terrain, la pression, c'est autre chose. Donc voilà, moi je retiens surtout pourquoi vouloir partir d'ici. J'ai 2 ans et demi de contrat, l'équipe continue de progresser. Donc voilà, je pense que c'est clair, hein, c'est même très clair. Qu'est-ce qu'il vous manque le plus dans votre pays? Du Brésil? Il manque un temps d'arrêt. Waouh! Mes amis, ma famille, la chaleur, les gens, presque tout. Le Brésil, c'est mon pays. Cela fait presque 7 ans que je l'ai quitté. Vivre et jouer en France, c'est différent de là-bas. On a des compétitions bien plus importantes en Europe, mais au Brésil, tu as la famille, les gens, tes racines. J'ai joué 4 ans au niveau pro, au Santos FC, c'était fantastique. J'étais content d'être proche de tous ceux que j'aime et j'en ai profité. Je suis loin désormais, mais j'ai des objectifs, des choses à faire ici. Je pense que je peux aller chercher de nouvelles choses encore. Vous êtes heureux à Paris? Je suis heureux, oui, quand je joue au foot. De toute façon, je suis toujours heureux. Le foot, c'est ce que j'ai dans la tête à chaque instant de ma vie. C'est ça qui fait mon bonheur. Mais pour ça, le mieux, c'est de ne pas être blessé. Combien de temps vous donnez-vous pour gagner le ballon d'or? Ce trophée, tu peux le gagner à 20, 25, 28, 30, 32 ans, 34 ans. Il ne faut pas toujours y penser. Ça vient naturellement avec les accomplissements de ton équipe. L'important, ce n'est même pas
Ce n'est même pas jouer ou bien jouer, c'est gagner. Ça, c'est la donnée principale. J'en suis sûr et certain. Mais je ne fais pas une obsession. J'en fais pas une obsession. Bien sûr que tous les joueurs du monde veulent gagner au moins une fois dans leur vie le ballon d'or. Moi aussi, j'adorerais le remporter, mais ça, ce n'est pas une préoccupation. Le ballon d'or, ça vient tout seul ou pas. Donc je crois que c'est la fin. Je crois que c'est la fin. Alors les pages, elles sont un petit peu... Ouais, c'est la fin, ouais. C'est la fin, c'est la fin. Donc voilà, ça a été... Comment s'est passée cette interview? Bah, elle a eu lieu au Camp des Loges, hein, au centre d'entraînement du Paris Saint-Germain. La durée de l'interview a duré 37 minutes, photo comprise. Hein, voilà. Il n'y a pas eu de boisson consommée, vous inquiétez pas. Nombre de fois où il a regardé sa montre, zéro. Donc la tenue ensemble sportswear Nike, hein, sneakers colorés, survêtement noir, pull à capuche large et casquette sombre. Hein, voilà, on vous montre un petit peu les photos. Voilà, je vous montre un petit peu, j'espère que vous voyez bien. Voilà les photos de l'interview de Neymar à France Football dans les locaux du Camp des Loges. Voilà, j'espère que vous avez vu. Donc niveau de connivence 0 sur 10. Autres personnes présentes, il y avait les deux responsables presse du Paris Saint-Germain pour la France et l'international. Glimmar Arojo et Gilles Cebola, amis intimes du joueur, le photographe et vidéaste de France Football. La question qu'on a oublié de lui poser apparemment, la barbe, c'est pour vous tenir chaud. La note qu'on lui donne pour l'interview, c'est 8 sur 10. Les trois interviews qu'il aimerait lire dans France Football, Kylian Mbappé, Thiago Silva et Marquinhos. Voilà pour l'interview de Neymar donnée à France Football. Donc si vous voulez revenir en arrière pour voir des questions et relire un petit peu et réécouter ce qu'il a dit exactement, bah, vous pouvez le faire. Donc moi, bah, ce que je vais retenir, c'est très simple, hein, j'ai mis des petites post-it. Donc je ne joue jamais pour être le numéro 1. Non, ça je pense que c'est un petit peu mensonger, voilà. Quand tu as quand même des ambitions et que tu prétends être dans le top 3 des meilleurs joueurs du monde, voilà, tu joues pour être numéro 1. Donc je ne sais pas si vraiment il est sincère là-dessus. Après, j'ai retenu autre chose, hein, quand il dit il devrait y avoir un ballon d'or rien que pour Messi. Non, là c'est vraiment. Un peu, là, il suce trop Messi, là. D'accord, je veux bien que tu sois ami avec lui, tout ça et tout. Parce que c'est pas cohérent ce qu'il dit pour lui. Il dit que l'important pour le ballon d'or, c'est de gagner. Et on a bien vu que Sadio Mané, par exemple, a plus gagné que Lionel Messi. Voilà, Sadio Mané a gagné la Ligue des Champions, la Super Coupe d'Europe. Il a été finaliste de la CAN. Il a été meilleur buteur du championnat d'Angleterre. Vice-champion d'Angleterre. Il a peut-être remporté la Coupe du Monde des clubs très bientôt. Donc voilà, c'est pas trop cohérent ce qu'il dit. Donc autre chose qui m'a plu, un grand joueur, c'est quelqu'un qui rend facile les choses difficiles. Ouais, mais c'est pas son cas depuis le début. Voilà, je pense que lui, les choses faciles, il les rend très difficiles, malheureusement. Voilà. Donc c'est sûr que s'il aurait une meilleure hygiène de vie, un meilleur état d'esprit, je pense qu'il aurait pu faire de grandes choses. Mais voilà, son arrivée à Paris, je pense, a été mal faite, mal gérée. C'est sûr que s'il serait arrivé à la même année que Leonardo, je pense que ça aurait pas déroulé comme ça. Voilà, dommage que Leonardo n'était pas là à son arrivée. Voilà. Après, est-ce que il serait venu si Leonardo était en place? Parce qu'on sait que Enrique et Xavi, ils comptent pour beaucoup, mais apparemment, d'après quelques sources, on nous disait que si Enrique était pas là, bah, il serait pas venu. Donc voilà, chacun voit midi à sa porte et chacun aura son avis là-dessus. Voilà. Après, quand il dit, regardez mes statistiques au Paris Saint-Germain, elles sont super bonnes. Ouais, elles sont super bonnes, ça c'est sûr, hein. Le mec marque presque à tous les matchs. Même quand il n'a pas marqué contre Saint-Étienne, bah, il a trouvé le moyen de marquer, hein, la frappe de Paredes. Bah, c'est lui qui a le but a été accordé pour lui, voilà, parce qu'il dévie le ballon. Donc c'est pour dire, hein, ses prestations sont presque impressionnantes, on est presque à un but par match. Donc après, ce que j'ai retenu le plus important, hein, pourquoi vouloir partir d'ici? J'ai 2 ans et demi de contrat, l'équipe continue de progresser. Donc voilà, je crois que c'est clair là-dessus, hein. Donc voilà, donc après, ce qu'il faut savoir, c'est que tout ça a été de la communication tout l'été. Ce qu'il faut savoir, c'est que le clan de Neymar aime beaucoup l'argent. Il y a des commissions rétro qui doivent encore être versés à Pinizahavi et à son père et agent Neymar père. Donc voilà, tout ça était un stratagème et tout ça c'est de la communication, c'est du marketing. Et Neymar a bien joué son jeu comme le Paris Saint-Germain a très bien joué son jeu. Et tout ça a été très bien orchestré par toutes les parties. Voilà, c'est du grand art. Donc maintenant ça met fin au feuilleton Neymar. Voilà, Neymar restera au Paris Saint-Germain quoi qu'il en soit, je dis, je vous le dis et je vous l'assure, quoi qu'il en soit jusqu'à la Coupe du Monde au Qatar. Ça, c'est sûr et certain. Il prolongera au Paris Saint-Germain, je pense, jusqu'en 2024. Il aura une revalorisation salariale. Il y en a qui trouvent ça honteux, mais voilà, si tu veux garder les meilleurs joueurs dans ton équipe, t'as pas le choix. Ronaldo, Messi et tous les grands joueurs de toutes les équipes prolongent et sont revalorisés. Voilà, il n'y a pas que le PSG. Il faut arrêter de dire que c'est le pigeon Saint-Germain. C'est tout le monde qui est pigeon. Voilà, quand le Real Madrid prolongeait Ronaldo, quand le Barça prolonge Messi,
Quand voilà, tout le monde Dybala là à la Juve, tout le monde est revalorisé à chaque fois qu'il prolonge le contrat. Donc voilà, Neymar est heureux, tout ce qu'il veut c'est jouer au football. Il a des grosses ambitions cette année avec le PSG. Il y a peut-être l'état d'esprit qui a changé grâce à Leonardo. On a vu qu'il est plus costaud. C'est certes, il s'est encore blessé il y a 2 mois, mais on a l'impression que quand il prend des coups, bah, il arrive à mieux les supporter. Donc je pense que voilà. Après, voilà, le juge de paix, ce sera le mois de février, le mois de mars. C'est ça qu'on va juger, janvier, février, mars. Hein, voilà, c'est tout. Et comme je l'ai dit, hein, la gestion de Tourelle et de Leonardo va être très importante. Mais voilà, j'ai très confiance en Leonardo. On a vu qu'il a beaucoup parlé. Voilà. Et puis moi, je vois dans cette interview, hein, sa relation avec Mbappé, hein, elle a quelque chose de vraiment spécial. Voilà. Moi, je pense que c'est un bon gars. Voilà. Bon, après, il a ses petits défauts. Voilà, comme tout le monde. Hein. Tout le monde a des défauts. Qui n'a pas de défauts? Voilà, le gars, il est un petit peu provoque quand il joue. Voilà, c'est des choses qu'il faut. C'est la personnalité de chacun. Voilà, chacun a une personnalité. Même chez les gens mauvais, il y a du bon. Voilà, je pense que chez tout le monde, il y a du bon. Même chez les gens les plus mauvais, il doit y avoir un 1% de bon chez tout le monde. Voilà, même les haineux qui t'insultent en commentaire, les gens qui te harcèlent sur Instagram, sur Facebook, ben voilà, c'est des gens. Eux, ils doivent être malheureux aussi. Ils sont frustrés. Voilà. Il y a des gens cet été qui n'ont pas supporté que j'avais raison que Neymar partirait jamais. C'est peut-être pour ça qu'ils te harcèlent. Voilà. Quand tu critiques une équipe, ils n'aiment pas, ben ils te harcèlent. Ben voilà. Le football est devenu tellement maintenant un domaine de société, un sujet de société important que maintenant ils en font presque une affaire personnelle. Mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est que vous pouvez être fan, mais déjà, soyez de vrais fans. Déjà, essayez de vous intéresser à l'histoire de votre club, même si vous êtes des footix, tout ça et tout, que vous supportez le Real, Barça, Arsenal, Manchester United, Manchester City. Voilà. Comme je vous l'ai dit et je le répète à plusieurs vidéos, le football n'est pas FIFA, PES, Football Manager, ou seulement mettre un maillot de Messi. Intéressez-vous au club, il y a des pages Wikipédia, il y a des livres, vous pouvez vous renseigner sur l'histoire des clubs, sur les dirigeants, sur les joueurs qui sont passés par là, leur palmarès, que ce soit en championnat, que ce soit dans les Ligues des Champions, voilà, intéressez-vous, voilà. Le football, c'est pas mettre un maillot et insulter les gens, c'est un minimum s'intéresser, mais voilà. On peut pas éduquer les masses, hein. Si les gens ont décidé d'être abrutis, ils sont abrutis. Les gens qui ont décidé d'être intelligents, ils sont intelligents. Les gens qui veulent pas faire d'efforts, ils font pas d'efforts. Ceux qui ont envie de faire des efforts, ils font des efforts, voilà. Chacun voit midi à sa porte. Donc voilà les postos, voilà pour Neymar, la confession, voilà France Football. Donc voilà, c'est assez cher quand même, hein, 3,50 €. Voilà, donc c'est pour ça que je voulais offrir cette interview, comme ça vous n'avez pas à l'acheter. Vous pouvez vous détendre tranquillement sur votre fauteuil à écouter cette interview. J'espère que je n'ai pas trop bégayé en lisant cette interview. Hein. Désolé, hein, des fois je bégaye souvent. Donc voilà les postos. Donc dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette interview. Est-ce que vous avez retrouvé et pensé que c'est un autre Neymar? Est-ce que son état d'esprit a changé? Est-ce que vous le trouvez sincère dans ses propos? Et parlez-moi aussi de ce qu'il dit sur Messi, sur Kylian Mbappé, sur les objectifs, qu'il est heureux au PSG, qu'il veut gagner avec des champions, que le Ballon d'Or n'est pas un objectif, qu'il ne veut pas être numéro 1, voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Puis comme d'habitude, hein, on met un max de pouces bleus, un max de pouces bleus, excusez-moi, on partage, on s'abonne, on like, on active la cloche, on nous suit sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Snapchat, Twitter, ainsi que sur Utip, hein, si vous voulez faire évoluer la chaîne en m'aidant à regarder les pubs gratuitement ou en faisant un don par-ci par-là. Voilà les postos, je vous souhaite une très bonne vidéo et à très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss et bonne lecture.